Alors voilà, c'était l'opinion de l'année aujourd'hui dans Saint-Jérôme, vous avez entendu. Avec moi, Chantal Hébert, Michel David, Michel Séogé, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, dame. Bonsoir. Alors bon, c'est une nouvelle gigantesque dans la campagne électorale depuis hier. On ne parle à peu près que de ça. Premier tour de table sur l'effet à court terme et à moyen terme sur la campagne. Là. Parlons de ça. Chantal, d'abord. Ça capture l'imagination, de toute évidence. C'est un gros coup. Je suis pas certaine que ça a l'impact de rehausser le blason économique autant que ce que le PQ a dit en disant « c'est un gros candidat économique ». Il me semble que ça a plus d'impact sur le débat sur la souveraineté que sur l'image économique du Parti québécois. Et je suis assez curieuse de voir quelle place ça va aménager à la souveraineté dans l'argumentaire de Mme Marois, qui n'avait pas l'air particulièrement disposée à en parler. En tout cas, on en parle beaucoup depuis trois jours. Bien, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui est plus important pour le débat référendaire s'il a lieu, qu'il est important pour ce débat électoral-ci. Dans ce débat électoral-ci, justement, il va forcer de parler d'une part de souveraineté, un peu plus que le PQ ne l'aurait voulu. Puis d'autre part, bien, il y a des gens qui disent bien, cet homme-là a fait, on parlait des 14 lockouts, là, puis de. Vous savez, entre 2000 et 2009, 54% des jours perdus par lockout au Québec ont été dans les entreprises de M. Péladeau. Il y a des gens d'une aile plus progressiste du PQ qui vont se sentir mal à l'aise avec ça, c'est certain. Est-ce qu'ils vont déménager? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est clair que ça a un énorme impact médiatique, ça, c'est évident. Michel David, là-dessus, sur... Oui, moi, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont quitter, qui vont être fâchés, mais je pense que ça va être beaucoup moins important que les gens qui vont aller chercher grâce à M. Péladeau. Et ceux qui vont quitter vont probablement être à Montréal. Ça ne coûtera pas grand-chose au PQ en termes de sièges, tandis qu'ils peuvent aller chercher beaucoup de caquistes dans des comtés importants pour le PQ, en particulier dans la région de Québec, mais aussi dans le 4-5-0. Alors, pour ce qui est de l'élection qui vient, je pense que c'est au total un très bon coup. Pour le référendum, si on se rend jusque-là, je lisais quelqu'un dans le Globe qui disait aujourd'hui que ça pourrait avoir, qu'il pourrait jouer le même rôle que Lucien Bouchard en 1995. Je pense que la comparaison est bonne, mais que dans un certain sens, il pourrait être encore plus important dans la mesure où M. Bouchard, on l'a vu, il faisait vibrer nos tripes de Québécois, tout le monde, mais il était incapable de rassurer ceux qui ont peur des conséquences économiques d'un oui. Alors que M. Péladeau pourrait leur dire, écoutez, moi, les affaires, je connais ça. Je vous garantis, on est capable, ça va être payant. Alors, il pourrait être très utile. C'est sûr qu'il dirait ça. Chantal, un mot sur le reste du Canada. Michel vient d'en parler. Ça a eu l'effet, oups, on se réintéresse rapidement au Québec, là. On s'était déjà réintéressé à cause des sondages qui donnaient le PQ majoritaire. Mmh. Mais oui, c'est sûr. D'abord parce que M. Péladeau est connu à l'extérieur du Québec. C'est le propriétaire de Sun News. C'était un allié perçu de Stephen Harper et des conservateurs. On faisait des affaires. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui nous écoutent, Sun News, c'est une chaîne de nouvelles continues plus à droite. Plus à droite, mais il y a aussi tous les journaux Sun qui existent partout au Canada. M. Péladeau en est le propriétaire. Très populaire et pas particulièrement amicaux pour le Québec en passant. Mais donc, on le connaît. Alors, les patrons de presse, je vous dirais, à l'extérieur du Québec et certainement, probablement, les lecteurs se disent hey, c'est un gros saut. Là. C'est rare qu'une personne d'affaires connue au Québec opte pour le camp souverainiste comme M. Péladeau vient de le faire. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un de cette envergure-là dans les cercles d'affaires s'affiche comme souverainiste. Un réveil, en tout cas, dans le reste du Canada, mais j'allais dire un réveil même ici, parce que la question de la souveraineté, Michel, ne devait pas être autant au centre de ce début de campagne électorale. On devait parler, au contraire, d'identité avec la Charte et pas de souveraineté. Oui, mais c'est jamais dans le plan de match du PQ de parler de souveraineté parce que son corollaire qui s'appelle le référendum. Et si la souveraineté est vue comme, même par ses adversaires, comme quelque chose de légitime, de noble, le référendum, il est souvent vu comme la division, la chicane, même dans les familles et tout. Là, il est comme sur la table, le référendum. On a vu M. Couillard commencer dès ce matin à aller là-dessus. Et il est clair que ça va devenir, il est clair que ça va devenir un enjeu. Ça, c'est évident. On va voir d'ailleurs la publicité, justement, Michel, que le Parti libéral vient de faire publier, c'est tout chaud. Donc, vous voyez la photo de Pierre-Carl Péladeau hier quand il a dit « je veux un pays, c'est pour ça que je vais en politique », déterminé à briser un pays. Là, c'est eux, les libéraux québécois, qui carrément vont sur ce terrain-là, là, disent
C'est notre meilleure carte. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel David? C'est leur meilleure et peut-être la seule, d'ailleurs, parce que depuis le début de la campagne, il y a vraiment que ça qui mord dans le discours libéral. Mais je vous dirais qu'avant même l'arrivée de M. Péladeau, depuis quelques jours au PQ, on sent qu'il y a un buzz référendaire. Moi, j'ai jamais senti les péquistes avoir autant envie de faire un référendum que depuis l'élection de 94, ma foi. Alors, ça semble... Des jeunes candidats qui ont hâte. On a... Des jeunes candidats et les vieux qui se disent c'est la dernière chance qu'on a. Alors, je pense que c'est beaucoup à ça qu'on pense au PQ quand on pense à Péladeau. Très bien. Ça, c'est pour la campagne électorale, les questions de stratégie, les questions de souveraineté. Il y a une question de conflit d'intérêts potentiel qui a été encore une fois soulevé. On en parlait hier, Michel, ensemble au Téléjournal. Le fait que M. Péladeau, et on l'a réentendu aujourd'hui, ne veut pas vendre Québécois. Il est le propriétaire actionnaire principal. Tour de table, est-ce que ce n'est pas un problème potentiel pour la perception de ce grand groupe de presse-là qui est Québécois, s'il est élu, s'il est ministre? Chantal. D'abord, ce sont des fils qui auraient dû être attachés entre M. Péladeau et Mme Marois avant qu'il annonce sa candidature. Ensuite, l'idée qu'on va dire aux Québécois que le patron d'un empire médiatique, c'est comme quelqu'un qui contrôle des bateaux. C'est malheureusement pas du tout la même chose. Comme vous Paul pouvez Martin. Mettre vos actions dans un trust et dire c'est une fiducie sans droit de regard, mais ça ne vous empêchera pas de savoir comment l'empire que vous possédez vous couvre. Et de vous rappeler de qui vous a couvert comment, c'est vraiment difficile d'imaginer comment on gère ce genre de choses-là. Et là, on ne parle pas de tous les dossiers économiques dans lesquels les intérêts de M. Péladeau ont quelque chose à voir et dont le gouvernement du Québec s'occupe. Parce qu'on n'a pas de carte routière. C'est du jamais vu à ce niveau-là, dans ce secteur d'activité-là. Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que M. Péladeau ne comprend pas la magnitude des conflits d'intérêts dans lesquels il pourrait se trouver. Il était à mon émission tout à l'heure. Je lui ai demandé, par exemple, si on revenait avec la politique du prix unique du livre. C'est une toute petite affaire, mais vous êtes un des plus gros libraires au Québec et le plus gros éditeur au Québec avec Archambault et des maisons d'édition. Vous allez être obligé de vous retirer du Conseil des ministres. C'est ça que la politique des conflits d'intérêts prévoit. Il dit bien sûr que non, je suis une personne ressource. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm. Et je pense qu'ils n'avaient pas prévu au PQ que l'idée que M. Péladeau reste propriétaire de son empire ait de l'attraction dans l'opinion publique. Ils se disaient, oh, ça va intéresser trois journalistes trois, et puis... moi un peu et d'autres. Puis trois profs à l'Université Laval. La Fédération des journalistes. C'est ça, mais ça a un effet dans l'opinion publique. Moi, nos auditeurs aujourd'hui, 30 % d'entre eux disaient que c'est ça qui les dérange. Bon. Alors, c'est quand même élevé. Écoutez, regardez les problèmes récurrents que Mme Marois a avec son mari. Toutes les activités de son mari, ça la hante continuellement. Alors, imaginez-vous que M. Péladeau, il n'est pas sorti du bois de ce côté-là. J'entendais, ou plutôt je lisais un communiqué de la Fédération des journalistes qui disait M. Péladeau devra donner des garanties. Mais quelle sorte de garanties on peut donner là-dedans? On aura beau mettre trois ceintures, deux paires de bretelles, il reste qu'il y aura toujours une connexion tellement évidente entre la politique et l'énorme monde des médias que ça va être inconfortable pour tout le monde. Donc, vous seriez... Je pense qu'ils vont décider de vivre avec ça. Je ne peux pas imaginer que M. Péladeau décide de dire « Bon, mais puisqu'on ne veut pas que je garde mes actions, je quitte la politique. » Je pense que non. Ils vont essayer de gérer ça au mieux, mais ça ne sera pas simple. Très rapidement. Je pense que si M. Péladeau a des ambitions autres que d'être le second de Pauline Marois ou de quelqu'un d'autre, il va devoir penser à se départir d'une partie de son empire, celui qui traite de contenu, en particulier TVA, les journaux. Autrement, ça va devenir intenable. Il ne peut pas vendre ses actions. Il y en a pour un milliard. Ça ne se trouve pas sur le coin de la rue. Quelqu'un c'est ce qu'il répond, d'ailleurs. M. Péladeau dit, alors, en plus, je ne veux pas qu'on vende ça à l'étranger. Je ne veux pas que Rogers vienne. Ça va continuer, ce problème de conflit d'intérêts-là. Mm. Il faut qu'il se résolve, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de façons de le résoudre. En tout cas, on va continuer à en parler. Messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus nous voir. Merci. On va se reparler. Vous êtes nos analystes. Donc, maison, on va se retrouver ultimement ensemble à la soirée électorale. Alors, merci, puis à très bientôt. Chaque vendredi, on fait le point de la semaine, mais je pense que c'est important aujourd'hui de faire un point. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.